J'ai découvert que le feng shui était aussi une très belle façon de vivre en harmonie avec la nature, avec ses flux et ses reflux, ses mouvements. Car parfois le mental pose une intention, souhaite un résultat bien précis, mais qui n'est pas forcément le meilleur pour nous là, maintenant. Et le résultat suite à une réharmonisation n'est pas forcément justement le résultat tant attendu du mental, mais qui correspond bien plus à notre propre bien-être, à notre évolution. Le travail avec les énergies est subtil et puissant. Et les résultats sont à la hauteur de son propre investissement, tant au niveau concret qu'au niveau du cœur. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Bien évidemment, il y a certaines connaissances à apprendre, mais après, c'est un jeu d'enfant.